Pour la première fois de son histoire, le Comic-Con s'est posé à Tripoli. Le festival américain, dans sa version libyenne, s'est en effet tenu du 23 au 25 septembre 2016 au centre des congrès de la capitale. Le concept originellement dédié aux bandes dessinées s'est renforcé pour s'ouvrir à une frange plus large de la culture populaire, intégrant ainsi le cinéma, les séries télévisées ou encore les mangas. L'idée initiale de cette convention tournait autour des personnages de BD, mais l'idée a grandi. Il n'est plus seulement question d'animation. Elle a évolué pour inclure des films et des émissions de télévision et essentiellement tout ce qui concerne les médias de divertissement. Durant 2 jours, les animations se sont donc succédées et les cosplayers ont rivalisé d'imagination, se transformant en super-héros le temps d'un après-midi. La Comic-Con est une exposition qui rassemble les idées de dessin, bandes dessinées, personnages fictifs, cosplay, les peintures, etc. Je suis un avatar représentant un personnage fictif appelé Aang, tiré d'une bande dessinée japonaise et qui tire son pouvoir des 4 éléments de la nature que sont l'eau, l'air, le feu et la terre. C'était un peu aussi la fête de la photo avec beaucoup de selfies et un brin de folie. De quoi permettre aux adeptes d'oublier le temps du festival, la violence des conflits politiques. Mais les au revoir entre super-héros sonnaient la fin du rêve et le retour à la réalité.